Bonsoir et bienvenue pour nos bulletins sport pour ça lundi le 5 août. Nous commençons avec basketball. Bovalon Heat y continue souligne zote domination de sa sport. Le côté hommes Cécile la zote a zote au coin l'autre titre de zote collection. Yes, à l'équipe y fait victoire 67-57 le N zote vieux rival PLS Hawks pour zote remporte tournoi sponsor par la compagnie Len Marine. Tiens match qui est incapable n'importe côté. Si tout de deuxième le moitié, mais Bovalon Heat est plus consistant côté à la fin. Zot pour sortir victorieux par un écart le point. Match Bovalon Heat contre PLS Hawks, il tout le temps emmène ça l'excitation parmi bon fanatique basketball et plus mauvais, le temps nous cause un final. Pour Zot arrive dans dernier match sa tournoi, Hawks tient fait tomber Baya dans semi-finale, tandis que Bovalon Heat Zot tient élimine Mouflery Dogs. Mais tout de même, il faudrait dire qu'il bonnet dans le premier cas sa match. Bovalon Heat en noir exon, tient nettement en contrôle. Côté là, zot pour prendre l'avance 10D avec PLS Hawks qui peut faire beaucoup de nouveaux. Mais Hawks pour graduellement arranger. Côté là, zot pour doucement, doucement faire l'écart. Nous à 3 points, c'est là pour faire arriver 5 le 12. Après, ça l'équipe en rouge pour minimiser le bonne faute et faire masser zot de l'attaque. Et ça tient bien pour les autres. Parce que zot pour menacer et coster zot opponent, mais tout de même zot tu vois zot toujours derrière 13 le 17, la fin sa premier 10 minutes jouée. Tu peux expecter que Hawks tu peux continuer avec sa l'élan qui zot tin prend vers la fin sa premier quart, mais ça pas pour les cas. Là de sa une case, zot joue tu rempli avec beaucoup de turnovers qui fait zot défense ainsi bien qu'il attaque pas tu peux masser. Faudrait faire ressortir qui Bovalon Heat tu sans zot joue clé Timmy Adam qui d'en blessé. Mais notre capitaine remplaçant James Olise, il peut jouer bien son rôle comme un big man. Là, il peut récupérer bien bonnes rebounds et à l'eau offensive. Ici, Aurélien Mémé a grandi de l'avance par 15 points. L'étant son basket 3 points, il fait score les 30 ou 15. Plus loin, qui Hawks est arrivé dans sa carte 23, tandis que Bovalon Heat est 44. Là, dans sa carte, Heat fait 27 points, comparé avec seulement 10 pour Hawks. Qui manye sa finale ti pi ale, ti nou commence vin par goût, mais PLS Hawks pour donner sa match en l'autre dimension, les temps sont entrés dans sa troisième cas avec une détermination. Là, nous ti vois un Hawks combatif qui ti la guerre tout boule, zot défense comme l'attaque ti pe masse, tandis que Bovalon Heat zot ti tout déstabilisé. Là, sa l'équipe Hawks ti garde zot consistance, zot pour faire ma salle 21 points pour faire arrive 14. Sa l'étant Bovalon ti collé le sa 44 qui zot ti termine deuxième cas avec et ça t'amène même concerne pour l'entourage sa l'équipe qui ti force groupé. Retourne le court, ti n'a pas aucun changement dans ce Bovalon Heat. Zot ti continue faire turnovers et puis les Hawks ti continue pini zot. Et ce n'est qu'après 6 minutes jouées que ça l'équipe en noir est capable de mettre un basket. Ça l'étant score, il arrive 46 le 38. La fin de sa troisième quart, seulement 2 points qui se séparent de l'équipe, 49-47. C'était toujours Bovalon Heat qui est devant, mais même ça, sa quart est entièrement pour PLS. La zotine fait 24 points, comparé avec seulement 5 pour Bovalon. Des points l'écart, nous tenons un game nous l'emmen et ça tient l'espoir que sa match est capable n'importe qui côté. Mais nous tenons trompé, au lieu continue que nous tenons quitter, puis les Hawks pour retourner pareil dans les deux premiers cas auparavant, que nous tenons pour continuer à faire bonne faute. De l'autre côté, Bovalon Heat tire un peu aux domination, que nous tenons pour réouvrir l'écart aux autres opponents. Là, dans sa dernière cas, presque dit non, rien pas de masser pour PLS Hawks. Et le souffle de finale, zot pouvoir zot derrière 57 le 67, veut dire zot perdu sa match par un écart 10 points, qui fait Bovalon Heat et finit champion sa tournoi, sponsor par la compagnie Len Marine. Nous avons commencé, nous, et puis nous avons arrivé dans le troisième cas, nous slack un peu, et puis le quatrième cas, nous répondons. Nous avons commencé le premier half, nous avons commencé le deuxième half, nous avons commencé le premier half,
Donc si la fatigue pour en place un peu, c'est moi qui continue à pousser. Malheureusement, nous ne sommes pas capables. Si mon ça déficit, c'est moi nouveau back de drawing board. Nous répondons encore pour venir. Mais comment nous faisons une fin solide 3e cas, quand nous sommes capables de fermer les cas. Un petit peu après 4e cas, nous retournons. Pourquoi vraiment qu'il n'y a pas de masse là? Moi, j'en ai mon. La fatigue, c'est un grand rôle. Nous perdons les joueurs, nous perdons les studies, nous perdons nos coachs, nous sommes malades derrière, nous essayons de faire ça pour nous-mêmes. Quand nous avons 3e cas, nous donnons tout ça qu'on a pour donner. Malheureusement, il n'y a pas de cas aujourd'hui, c'est moi qui continue à pousser par un monde. Nous get back to the drawing board. Nous l'avons plus fort encore. Alors, PLS Hawks, better luck next time. Nous restons toujours la TSC avec une nouvelle nationale. La digue est champion le côté bonne fille d'un tournoi beach soccer organisé par l'école près de la rue secondaire. Ce tournoi se fait week-end, contenant en tout 5 équipes filles secondaires. Bon match, tiro base, knockout. Et la digue y bat persévérance d'un penalty pour les autres gagnants couronnés champions. La digue y vient en première équipe pour qualifier finale à sa compétition. Ça y a pris le battant Montfleury 8D dans un match semi-finale et boucle les autres places de finale. L'autre semi-finale, c'est en pointe la rue, l'équipe organisateur qui t'y fasse contre Persévérance. Côte après deux tiers, score t'y toujours égal entre sa de l'équipe. C'est penalty qui décide si de quelque chose entre sa de l'équipe. C'est Persévérance qui passait. L'équipe goalkeeper Echa Adrien y arrête un pénalty sur le point de la rue et Lim y score. Pour autres bouts dans la finale à sa compétition, le score 3D. Vedi la finale, type entre Persévérance et la digue. C'est la digue qui commence fort. Il prend autres seulement 2 minutes pour autres ouvrir score en travers Eva Jérémy pour faire score arrive 1-0. Mais seconde plus tard, Jérémy il double l'avantage à sa équipe en zone. La score arrive 2-0. Pour Persévérance, ces autres qui pop, puis à Wao, qui t'y peut quitter les autres de sa rencontre, le son grand boule, elle s'y a score et fait score arrive dès l'ON. Seconde plus tard, Persévérance y remet quelque chose égal à DD. Là, c'est Persévérance qui tient un peu plus à l'envisage et pas si mal, ou à Zota passe devant le score, le sain action. Il fait score vina 3D. Ça tient aussi son 2e goal de sa rencontre. Sa l'équipe en vert, il reste sa l'équipe plus offensive. Et autres score encore dans la 9e minute en travers Arina Albert. Il passe la défense la digue. Il met boule dans le goal pour faire score arrive à 4D. C'est la digue qui tient un dernier mot de sa première tiers. Le 1 penalty par Sharina Radegon. Il fait score vina 4-3. Ça tient aussi score final à sa première tiers. Le 2e tiers disparaît de premier tiers. Goal pas manqué. Persévérance il prend l'avance 5-4 devant. Mais la digue parti pour les autres aller facilement. La Radegon score 2 fois pour lui remettre quelque chose égal 5-5. Qui veut dire là c'est penalty qui tu peux décider avec elle après sa 2e tiers. Là de penalty, c'est l'équipe Hannah Rose qui héros à l'équipe La Digue et arrête des penalty l'équipe Persévérance pour aider son équipe faire victoire 3-1 à l'eau Persévérance pour autres finir son pion sa compétition. Ouais, les matchs faciles, une première fois, nous jouons vite sur le côté de Saman Lille. Assez content. Yeah. Satisfait. Merci beaucoup, Dieu, on dit. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, Coach Rodrick, Miss Pactima, Sayel Vani, et même Sadan Kin là pour aider nous, tous de notre côté. Et Miss Anisha aussi. Nous disons merci, l'école pour la rue pour organiser sa petite activité. Je te l'amène. Mari. Next time, and a please competition. Je dis merci, bon Dieu, qui m'a protégé chez nous et qui nous sommes capables de nous faire avec nous. Yes! 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 Well, nous comptons, nous happy, nous faisons, nous avons une semi-finale, nous comptons, nous faisons. Comment est-ce que nous dit? Eh oui! C'est un peu difficile, mais nous essayons, nous déterminons, nous causons entre nous.
Normal, nous félicitons. C'est moi, nous fier, nous contents, parce que c'est ce qu'il nous dit. Nous l'adorons. Eh oui, persévérance, costé, aidez-toi. Et le côté bon garçon, SIT défend son titre qui était remporté dans sa même compétition. Vous avez fait tomber SBSC, l'école l'Académie Business, dans la finale, le score 5-0. Il fait deux fois consécutives qu'ils ont fini champion au niveau post-secondaire. Et le niveau secondaire, vice-champion l'année passée, English River, et nouveau champion sa compétition interscolaire, ils ont battu la rue 4-0 dans la finale. Le côté garçon, English River, vice-champion sa compétition l'année passée, il facilement remporte son match en semi-finale contre Pralé, le score 7-2, il pointe la rue, il bat la digue d'un penalty pour être qualifié finale. De finale, quelque chose il souffle même entre sa de l'équipe, mais c'est English River qui prend part décisive de la 5e minute en travers d'autres capitaine Rihanna Dennis et fait score 1-0. Même si capitaine pointe la rue Anelka Adela, tu gagnes sens pour lui mettre quelque chose égal de bonne dernière minute de sa première tier, pas tiré ici, qui fait sa première tier termine 1-0 pour Harry. Dans la deuxième tier, tu en as un peu plus goal, Bonnet, Rohana Esparon, il remet quelque chose égal 1-1 pour l'équipe à pointe la rue. Mais English River, évidemment, repasse devant le joli goal de Denis, la score tu n'arrives DN. Divine 3 secondes plus tard, le free kick Denis s'attire aussi son troisième goal de sa rencontre. Mais English River, il gagne 2-4-12 devant la dernière minute et pointe à la rue. Lui, il gagne 1-4-12 qui fait Harry, tu besoin de compter et 3-0 et pointe à la rue, lui, et 4-0. Mais ça, pas de casse moral à l'équipe English River. Parce que Kenan Adam, il score pour confirmer victoire 4-1 pour son équipe English River et finit champion sa compétition. Aujourd'hui, mon pégéte, ma quelque chose pour aller, qui nous méritait, qui l'autre fois nous pas gagné. Aujourd'hui, nous venons tout, nous donnons tout pour faire l'île, nous faire pour j'aider avec Calais, nous mettons moi l'ensemble, mettre l'espoir, c'est le team, c'est l'esprit. Quand même, dernier, tirer c'est nous, quand même, des soins, c'est mon quotidien. Nous donnons tout. Ah, c'est un final, il va facile. Mais c'est moi, tout team, une fin pour gagner, pour mériter la coupe. Aussi, moi, tu une déroule bien, même si naïf, des trois discussions, la plainte, un petit accident. Seulement, nous, et pas de la rue, nous, d'accord. Nous. Le côté pour sa secondaire, SIT fait face contre SBSC. De sa finale, c'est SIT qui prend contrôle sa finale à Nathan. Il donne sa l'équipe en zone à l'avance 1-0 devant. Sanjo Lee, il double score pour sa l'équipe SIT et fait score 2-0. Ça tire aussi score final à sa première tier. Bonnet de deuxième match, Dwayne fait faute le Mounade. La SIT il gagne un penalty et Mounade il fait si il met son équipe 3-0 devant. Mounade qui s'est désiré pour l'équipe SIT. Seconde plus tard, il score son deuxième goal et fait score arrive 4-0. C'est Nathan qui confirme victoire à l'équipe SIT avec un cinquième goal qui fait victoire 5-0 le SBSC et défend un autre titre qu'ils ont remporté l'année passée. Aujourd'hui, nous venons qu'un bi pour nous venir remporter sa titre même. Premier match même n'est pas facile. Nous sommes l'équipe qui est habituée à cette bit soccer. Mais nous tous jouons, nous mettons le moral ensemble. Nous essayons de faire. Et l'année prochaine, nous pouvons venir encore. La coupe a fait plaisir à la pour l'école pour la rue, le côté bonne fille. Pour bon garçon, c'est Pralé qui remporte sa prix. Et pour secondaire, c'est SBSC. Mais il y a un goalkeeper qui a la propriété sorti l'école Persévérance pour bonne fille. Garçon, c'est le goalkeeper pour de la rue qui remporte sa prix. Et le côté pour secondaire, là, c'est Liam sorti SIT qui remporte prix comme meilleur goalkeeper. Top scorer pour bonne fille à la pour Persévérance. Pour bonne garçon, c'était Rihanna Dennis qui finit comme top scorer. Et Rino sorti Siad Ali qui finit top scorer le côté pour secondaire. Et pour bon moment organisateur sa compétition est bien déroulée, je t'apprécie bonne équipe qui répond à l'invitation. Si tout le côté bon garçon secondaire contient en total 11 l'école.
Et franchement, avant qu'on commence, j'exprime aussi l'émotion. Je remercie tout sa bande spectateur qui est venu, tout ça l'école qui a participé. Je remercie aussi mon bande collègue, mon comité, qui fait un tas d'efforts pour faire ça l'événement un succès. Ben pour ça l'événement, franchement, mon apprécié, mon content à cause de mon noir et l'ambiance extraordinaire qui m'ont pas ni accepté. Ben mon noir, franchement, tout quelque chose y passe bien. Mon apprécié les autres déplacements aussi, tous ces efforts qu'ils ont fait pour nous, pour couvrir ça l'événement. Merci beaucoup SBC aussi. Définitivement, l'année prochaine, nous pourrons organiser encore. Mais l'année prochaine, peut-être nous pourrons organiser ça qui plie bon qui ça bistoka pour ça l'année. À cause de nous, l'objectif, si nous organisons l'année là, ben nous envie comme si faire plus d'innovation pour l'année prochaine. Alors voilà, rendez-vous donné pour l'année prochaine. Et c'est ça, bon, si c'est qu'il fait sa bulletin pour aujourd'hui, pas oublier l'OSBC 3, nous amène en direct, Zoé Paris 24, jusqu'à un bon matin. Au revoir.